Bonsoir ma chérie. Bonsoir. Moi c'est Francky. Garani Larry. Enchanté. Enchanté. Alors si nous vous accostons, c'est déjà par rapport à notre chaîne YouTube. Et nous voulons savoir, et nos internautes aussi, si tu arrives dans ta chambre et tu trouves ton gars en train de regarder un film X, quelle sera ta réaction? Je l'accompagne. Ah! Femme! Non! On visionne ensemble, oui. Puis on passe des bons moments, puis oui. On passe à l'action. What? Normal. Normal, c'est tout à fait normal. Les internautes vont beaucoup aimer ta réaction. Donnez en commentaire votre avis, les amis, s'il vous plaît. Donnez votre avis en commentaire. Oui. Continue. Si tu arrives dans ta chambre et tu trouves ta copine en train de regarder un film X, quelle sera ta réaction? Ma réaction, c'est... Elle la rejoint une fois, on continue l'affaire. Est-ce qu'elle veut le laisser passer? Ça veut dire qu'elle m'emmène en vie. Oui. Donc comme ça, on continue une fois l'affaire. On continue une fois ensemble. On fait l'affaire. C'est normal. Oui, oui. C'est tout à fait évident. Ça veut dire qu'elle m'attendait même. Donc elle a dû prendre goût pour d'abord se faire plaisir. Oui. Pour attendre que j'arrive et on continue une fois. Et vous continuez une fois. Ça va. Je te remercie, mon frère. Moi aussi. Ça va être un peu ambigu, hein. Ouais. Un peu ambigu, mais je ne crois pas que va être... C'est aussi emporté. Oui. Ça va être un peu ambigu, mais... Tu vas mal prendre ça, non, tu vas la suivre dans le même rythme ou bien, je ne comprends pas. L'ambiguïté, c'est à quel niveau? Je crois que je vais quitter la chambre, mais pas me fâcher contre elle. Pas te fâcher contre oui, elle. Oui, normalement. D'accord. Et pourquoi ça? Pourquoi tu ne te fâches pas? Pourquoi tu ne prends pas mal? Tu supposes que chacun fait comme il entend? Oui, c'est normal. Si c'est que son plaisir là-bas, c'est son problème. Oui. Mais si ce que ça n'apporte pas à tromper, ça va. D'accord. Oui, merci. Je te remercie. Merci beaucoup. Si tu arrives dans la chambre et tu trouves ta femme en train de regarder un film X, quelle sera ta réaction? Mais ça, c'est mon plat préféré. Hein? C'est mon plat préféré. Ah bon? Oui. Donc tu arrives, tu la vois, tu supposes qu'elle est là les conditions. Une fois. C'est comme si elle m'attendait seulement. Donc tu perds même plus le temps. On fait la finition. Pas te manger ensemble. Une fois. Je te remercie. Merci. Non, la seule chose que j'ai à faire, c'est juste d'entrer, me changer et continuer avec elle. Ah d'accord, donc tu t'échanges directement et tu viens oui, continuer avec elle. Je continue avec elle parce que si je lui laisse seule, ça serait trop immature. Mm-hmm. Donc il faut que je continue avec elle. Donc, la maturité, c'est que tu l'accompagnes. Oui, je l'accompagne et quand on finit, maintenant, tu vois, elle serait un peu... Je comprends, je te remercie. Mon et, ma première réaction... De m'asseoir et je regarde avec elle. Tu regardes avec elle? Oui. Tu l'accompagnes? Oui, je l'accompagne. C'est comme je tout homme normal. Oui, oui, je l'accompagne. Parce que quand elle regarde là, ça veut dire qu'elle passe dans un état supérieur. Oui, oui, oui. Et puis tu l'accompagnes? Je l'accompagne seulement. Et peut-être qu'elle aussi, elle cherche des idées sur ça. Oui. Elle va te rendre heureux aussi sur la foyer. Effectivement. Oui, c'est ça. D'accord. Je te remercie. Ok, merci. Si tu arrives chez toi, dans ta maison, et tu te rends compte que ton gars, il est en train de regarder un film... Là où il n'y a que deux acteurs, là. Quelle sera ta réaction? Non, c'est... Je m'en fous. C'est pas mon problème. Tu le laisses? Oui, oui. Simplement comme ça? Oui. En train de regarder, tu l'abandonnes? Tu vas pas l'aider à regarder? Non. Comment ça? Je m'en vais à mes occupations. Tu vas qu'à tes occupations et oui. Tu le laisses? Oui. Tout simplement comme ça? Ah, c'est pas gentil, hein. Et toi, tu arrives et tu la trouves en train de regarder un film là où il n'y a que deux acteurs. Je n'accepte pas ça. Tu refuses? Je refuse. Tu te fâches même? Oui, oui. On doit regarder ça ensemble. Oui, mais en même temps, elle regardait déjà seule. Mais je ne suis pas là, elle regardait seule. Pourquoi? Je n'accepte pas ça. En même temps, tu pars maintenant, tu te changes, tu l'accompagnes. Non, 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 non. Je ne veux pas, je ne peux pas, je refuse une fois. Ok, je vous remercie. Il est libre de regarder ses films. Il est libre de regarder ses films comment? Aucune sensation, aucune réaction. C'est sérieux que tu ne l'accompagnes pas? En fait quoi? Allez regarder, non, tu le laisses comme ça, tout seul. Quand il mettait, il était à côté. Mais peut-être qu'il mettait parce qu'il savait que tu venais, non? Qui considère que je ne suis pas venu?
Donc tu le laisses sérieux comme ça là que oh. Regardez ces choses. Il continue à regarder. Oui. Tout seul. Tout seul. Parce que c'est bien comme ça alors. Ah, c'est pour lui non. Si tu as mis ta chose, ça veut dire que tu te sens à l'aise avec. Ça veut dire qu'il n'avait pas besoin d'une deuxième personne. S'il voulait la deuxième personne, il va attendre la deuxième personne avant de le mettre. Mais tu crois que tu peux quand même le regarder avec ton gars. Ne regarde pas. Comment ça? Donc tu as jamais regardé. Jamais. Sérieux. Très très. Ok, je te crois quand même. Je te remercie. Donc, ma réaction est que si c'est moi, ça ne va pas me causer de problème. Je vais d'abord demander pourquoi tu fais ça. Mm-hmm. C'est à elle de me donner les explications fiables. Si elle ne me donne pas des explications fiables, c'est qu'elle a autre intention. Donc tu ne l'accompagnes pas. Évidemment, je ne l'accompagne. Tu l'accompagnes, tu te fâches. Très très mal même. Très très mal. Parce que je suis son mari. Oui. C'est la vie de besoin sexuel où elle est satisfaction. Mais si je suis son mari, non. Oui. Pourquoi ne pas donc faire ça avec moi, aller faire. Avec la vidéo. Tu sais qu'avec la vidéo, des fois, elle est prête à faire ce qu'on appelle quoi là. Il y a le mot là, me manque. Mm-hmm. Déjà, oui, donc on laisse ça tomber. Mm-hmm. Donc moi je me fâche très mal. Très mal. Oui, je ne veux pas que. D'ailleurs, je vais même dire que bon, désormais, je ne veux pas te voir faire ce genre de choses. Je suis ton mari, si tu as besoin de faire ce genre de trucs. Il faut faire avec moi. Avec moi, oui, il faut faire avec moi. Et ne pas faire observer. Toute seule. Non, toute seule. C'est... Je te remercie. Est-ce que si tu arrives dans ta chambre et tu trouves ta femme en train de regarder un film X, quelle sera ta réaction? Non, ça c'est immoral, hein, c'est pas logique que la femme regarde ça. Et puis, bon, en fait, ma réaction ne sera pas violente, mais je peux être un bon conseil pour la dire que c'est pas bon de regarder tout ça et je vais faire. Tu ne l'accompagnes pas, tu ne l'encourages pas, tu refuses, tu dis que c'est pas bon. Non, je peux pas continuer à la regarder. Les trucs quand même, je veux elle est là, je la regarde, elle c'est tout, je peux pas la regarder. Oui, mais machin. En même temps, elle est en train de regarder quelque chose. Tu arrives là, tu vois, elle est en train de regarder. Tu laisses. Tu l'accompagnes pas. Non, je peux pas l'accompagner, je peux pas la laisser, je peux l'empêcher de regarder même. Tu l'empêches? Oui. Sur la puissance parentale à la maison, donc oui. Je peux pas la désordre quand même. Je te remercie. Merci. Est-ce que si tu arrives dans la chambre et tu trouves ton gars en train de regarder un film X, quelle sera ta réaction? Mon Dieu! Il va juste changer, il va demander pourquoi il voit les films X, non? Comment ça? Tu changes tout simplement, tu l'accompagnes pas. Je l'accompagne comment? Parce que d'ailleurs, quand tu vois les films X, c'est une autre forme de masturbation, non? Oui. Et c'est pas normal. Mmh. Donc je vais changer, mettre une autre chaîne et il doit me donner les raisons pour laquelle il voit les. Oui, parce que moi, il va considérer ça comme une forme de masturbation. Il va essayer de l'expliquer que regarder un film X et seul, c'est comme si tu te masturbais, c'est pas bien. C'est pas bien. Oui. Ok. Je serais scandalisé, bien évidemment, parce que c'est interdit, quoi. Qui est interdit? C'est interdit nulle part. Bon, selon mes convictions à moi, selon la logique dans laquelle j'ai été instruit, oui. Vraiment, c'est pas. Moi-même, je fais l'effort d'abord de mon côté de ne pas regarder ces films. Mm-hmm. Et ce qui fait que je ne peux pas tolérer que ma femme puisse regarder. Quelle sera ta réaction? Quand tu arrives, tu la vois en train de regarder. Quelle sera ta réaction? Bon, je serai bien évidemment scandalisé et je vais lui demander de ne plus jamais refaire cela. Mm-hmm. Et je vais prendre des mesures en fait, afin de l'amener à ne plus le faire. Je te remercie, mon frère. Merci aussi. Ça passe. Ça me surprend. Ça te surprend tout simplement? Oui. Comme ça, et tu. Bon, tu fais rien. Tu dis bon, continue. Au revoir. Ça va me surprendre. Bon, je vais essayer d'arrêter le film parce que je sais pas. Ouais. C'est pas normal. Et si tu arrives comme ça et que ce film qu'il regarde est un film gay, donc de deux garçons qui sont en train de faire, quelle sera ta réaction? Beaucoup plus encore surpris. Ça va être beaucoup trop me surprendre. Tu vas pas croire qu'il aille à travers, s'il est de l'autre côté? Oui, d'une manière, je vais croire à ça. Oui, ça va me pousser à croire. Oui. D'accord. Je te remercie.